Bonjour et bienvenue à la rubrique À table. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'art de la table. L'art de la table est composé de couverts, d'assiettes, de verres et différents accessoires permettant de la décoration. Les fleurs, les ménagères, serviettes et le porte-couteau. Nous allons commencer par les couverts, qui sont composés de trois styles de fourchettes différentes, trois couteaux et deux cuillères. Donc la première cuillère, la petite cuillère, qui sert souvent pour le café. La cuillère en entremets pour les soupes ainsi que pour les desserts. Le couteau, le grand couteau, donc pour la viande, le couteau à poisson et le couteau donc pour les entrées et pour les desserts, le couteau à entremets. Pour les fourchettes, nous avons la grande fourchette qui sert donc pour les viandes, le couteau à poisson, pour les divers poissons que vous avez, ainsi que la fourchette donc à entremets pour les entrées ainsi que pour les desserts. Pour les assiettes, nous avons l'assiette creuse, la grande assiette, l'assiette à pain et on l'appelle l'assiette à entremets. L'assiette à entremets qui vous sert pour les entrées, pour les fromages et aussi pour les desserts. Pour les verres, trois styles de verres différents. Le verre donc à vin blanc, le verre à vin rouge ainsi que le verre à eau. Le bouquet de composition florale que vous mettez en fonction donc, de la table. Vous pouvez soit au centre, soit sur les extrémités, mais on en parlera dans les prochains épisodes. La serviette, le porte-couteau, ainsi que la ménagère. Je vous remercie, à la semaine prochaine pour la rubrique À table.